Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en Corse, dans ce magnifique décor ici, pour vous présenter le nouveau Volkswagen Amarok. Je vous présente cette version V6 aujourd'hui. On parle comme d'habitude de toutes les motorisations, toutes les finitions disponibles sur ce modèle. Et ensuite, on se fait un essai sur quasiment tout type de route. Malheureusement, il n'y a pas d'autoroute à 130 ici en Corse. Mais on va vous faire les routes de la ville et du chemin, comme vous pouvez le voir là. Où il y a un magnifique faucon qui est en train de chasser juste derrière. Et on va voir, on va le mettre dans des épreuves un petit peu difficiles et voir ce que ça donne. Comme d'habitude, tour de l'extérieur à l'intérieur et ensuite de la route et ensuite une petite conclusion sur la fin. Alors, ce nouveau Volkswagen Amarok, il y en a déjà eu 830 000 vendus dans le monde. Là, il a été restylé comme vous pouvez le voir. Alors, c'est un restylage, hein, ce n'est pas une entière nouveauté. D'ailleurs, c'est même un châssis qui est partagé avec Ford. On pourra reconnaître hein, quelques touches, tout comme les motorisations et à l'intérieur, quelques petites touches de chez Ford également qui ne sont pas forcément très Volkswagen. Pendant que j'y suis, je vous interromps deux secondes. On est bientôt 100 000 abonnés. S'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous pouviez juste cliquer sur le petit bouton là, s'abonner. Merci beaucoup, qu'on soit bientôt 100 000. C'est vraiment cool, j'aimerais bien avoir la petite plaque de YouTube là, vous savez. Il existera en plusieurs finitions, le Amarok, le Life, le Style, le Panamérica et l'Aventura, celui-ci. Mais en France, on aura seulement trois versions, la Life, la Style et l'Aventura, que je vous présente aujourd'hui dans cette motorisation V6. Au niveau des motorisations, en France, on aura deux motorisations, le 2 litres TDI 205 chevaux, donc un 4 cylindres à diesel, et le V6 3 litres TDI diesel également, que je vous présente aujourd'hui. Celui-ci fait 240 chevaux. Au niveau des 0 à 100, 10 secondes 5 pour la version 4 cylindres, 8 secondes 8 pour celui-ci. Les deux ont une vitesse maximum de 180 km/h et les deux sont également 4 roues motrices avec le 4Motion, puisque 4Motion, hein, c'est chez Volkswagen. Celui-ci a un différentiel autobloquant à l'arrière et on pourra passer en gamme courte, en gamme longue, en 2 roues motrices, propulsion, ou en 4 roues motrices, gamme longue, aux gammes courtes, et on a également un mode automatique avec un viscocoupleur à l'intérieur qui va pouvoir répartir selon les essieux ce dont on aura besoin comme couple. Pas mal de nouveautés, on verra à l'intérieur, il se modernise également un petit peu, ça fait du bien. Et sur l'extérieur, il a un look qui se veut un petit peu plus musclé, je trouve, et il se fait de plus en plus américain avec les rétrochromés là-bas, ça là, cette partie et ce côté vraiment, vraiment. Alors, c'est pas le marché français qui compte le plus hein, pour ce Amarok, mais j'espère qu'on en verra quand même quelques-uns. Pour le moment, il est homologué seulement en 4 places, puisque en France, malheureusement, s'il est en 5 places, c'est considéré comme un véhicule particulier. Et là, on se tape un très gros malus. Donc, pour le moment, jusqu'à la fin 2023, bah, il échappe au malus, car il est homologué en sorte de plateau Ben, ce qui en fait un véhicule utilitaire, et donc pas de malus sur les véhicules utilitaires. Mais attention, peut-être qu'en 2024, ça va changer. Et les véhicules 4 places comme ça, même, ils se prendront quand même le malus. Et là, ça va faire mal par contre. Il est disponible en 7 couleurs, bleu, blanc, rouge, gris, noir, plusieurs teintes de gris. Au niveau de l'essence, on mettra 80 litres d'essence à l'arrière. On pourra mettre 19,3 litres d'AdBlue. Ça, c'est pour les émissions, le CO2, tout ça, la planète. Puisque avec le diesel, à ce qui paraît, c'est pas terrible. Mais le diesel, pour ce genre de voiture, bah, il n'y a rien de mieux. Puisqu'au final, c'est ce qui amène le plus de couple. Et la meilleure efficience, c'est ce qui nous permettra de faire le plus de distance. Lorsque j'ai pris cette voiture, elle a déjà 1500 km. Et aux environs de 1500 km, il y a une moyenne à 12 litres d'eau. En ayant fait un petit peu tout type de route. Et là, on lui fait faire vraiment du tout chemin, etc. En gamme courte, donc ça va consommer forcément un petit peu plus. Donc cet essai, ce n'est pas l'essai sur lequel il faut se baser au niveau de la consommation, mais les 12 litres d'eau, je pense que ça fait une bonne moyenne entre de la ville et du chemin. Salut les copains! Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des copains hein, qui passent derrière. Ils veulent faire coucou. Faites coucou! C'est Laurent Schmitt et Jalil, et qui passent derrière, et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça monte tout seul.
on traverse cette zone ici qui est une ZLA, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, mais vous pouvez voir d'un côté il y a des arbres, de l'autre côté il y a des arbres. En fait, c'est une zone qui a été spécialement déboisée en cas de feu de forêt pour ne pas que ça passe d'un versant à l'autre. Et normalement, c'est fermé à la circulation. Merci encore aux personnes qui nous permettent d'accéder à cette zone puisque c'est vraiment magnifique et les points de vue à cet endroit-là sont incroyables. Au niveau des dimensions de cette voiture, c'est une voiture qui fait 5 m35 de long. 96 mm de plus qu'avant, ça veut dire quasiment 10 cm supplémentaires. 1,91 m de large sans les rétros et 2,20 m avec ses rétroviseurs. Ça en fait quand même un vrai beau bébé. De 1,75 m à 1,88 m selon la taille de jante, selon les pneus que vous allez choisir. Et on rajoutera 20 cm pour l'antenne tout en haut. Et encore d'autres collègues qui passent. Bon, je me suis arrêté là parce que c'était quand même vraiment très sympa comme spot. Au niveau de l'empattement, c'est-à-dire entre l'essieu avant et l'essieu arrière, hop, ça s'est encore rallongé, plus 17 cm environ, 3,27 m cette fois-ci, ce qui permettra d'avoir plus d'espace dans la benne et normalement plus d'espace également dans la cabine arrière. Il existe en deux versions, en simple cabine, c'est-à-dire seulement les deux sièges à l'avant, ou en double cabine, comme on l'a aujourd'hui. Double cabine pour certains pays, ce sera des 5 places, et en France, comme je vous disais, ce sera seulement un 4 places pour l'homologation et pas payer de CO2 et de carte grise beaucoup trop cher. Le passage de guet était augmenté, avant c'était 50 cm, maintenant c'est passé à 80 cm, donc ça veut dire qu'on peut passer dans de l'eau jusqu'à 80 cm, alors 80, ça c'est 25, ça fait 50 à peu près jusqu'à là, ben, en gros ici, ce qui est vraiment pas mal, hein. On va rarement dans de l'eau jusqu'à autant et aussi profond. Au niveau des barres de toit, on ne les a pas aujourd'hui, mais on peut mettre en statique jusqu'à 350 kg, ce qui permet de poser une tente de toit. Une grosse tente de toit, ça fait environ une centaine de kilos avec la boîte, plus les deux personnes. Donc 350 kg, on est bien. Dans la benne, en France, on pourra mettre jusqu'à 951 kg, un petit peu plus d'une tonne dans les autres pays. Pareil, question d'homologation. Et on pourra tracter jusqu'à 3,5 tonnes à l'arrière. Au niveau des dimensions de la benne, je vous le dis tout de suite, ça fait 1,23 m par 1,62 m, je vous remonte ça lorsqu'on sera à l'arrière également. Pendant qu'on parle de chiffres, au niveau de l'angle ici, il a été un petit peu amélioré. On a un angle d'attaque de 23 degrés, 27 degrés à l'arrière et l'angle au milieu, on est à 21 degrés. Normalement, c'est censé passer partout, vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, on va faire vraiment du tout terrain. Et au niveau de la garde au sol, ici, on est à 23,7 cm, ce qui normalement vous permettra de passer des trottoirs assez facilement en ville et sur du chemin, ça passe quasiment partout. Au niveau du rayon de braquage, alors ça reste quand même un gros 4x4 assez imposant, il fait le tour sur 12 mètres, 93, quasiment 13 mètres. Sur cette partie avant, on peut le voir, nouveau capot, très dessiné, très marqué avec des lignes fortes ici. On peut voir là, ça remonte et ça amène quelque chose de très musclé mais très carré pareil et c'est plongeant sur la fin. On a cette forme de X également qui est arrivée, c'est nouveau, avec le Amarok incrusté directement et imprimé dans le plastique. On a le petit rappel V6 ici, pareil, on a des parties spécifiques à cet endroit-là et ces parties qui viennent s'allonger jusqu'au phare. Phare IQ Light maintenant, donc 100% LED pour cette voiture. Et les IQ Light, c'est bien puisque on a le détourage automatique, les appels de phare, enfin pas les appels de phare, mais les pleins phares automatiques, etc. Ça reste un vrai plus et ça fait du bien également que ça aille petit à petit sur les véhicules qui se disent plutôt utilitaires. Mais on peut voir dans cette Aventura qu'on a quand même beaucoup d'options. On a pareil 20 nouvelles aides à la conduite qui sont proposées dessus. On a le Travel Assist, le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2. Bref, en fait, on passe ce qu'on a sur les berlines ou sur les autres voitures de la gamme qui sont souvent un petit peu moins réservées aux véhicules qui se veulent plutôt utilitaires. On peut le voir, hein, quand même, le capot est très haut. Moi, je suis 1,80 m et même à côté de la voiture. C'est rare que je me sente tout petit de nos jours à côté de voitures, surtout en Europe. Effectivement, les voitures américaines, quand j'en essaye quelques-unes avec American Car City, bah, des fois, je peux faire un peu petit. Par exemple, la Dodge Ram TRX, je me sentais vraiment en Ricky. Sous ce capot, comme je vous disais, deux choix de motorisation, 2 litres TDI ou le V6, 3 litres TDI pour la France. Il existera une version également essence pour le reste du monde. On retrouve au centre du logo ici la caméra, puisqu'on a des packs de caméras 360 degrés, et un petit peu plus bas, les capteurs ici d'aide à la conduite. Alors, tout n'est pas intégré dans le logo Volkswagen, puisque c'est une plateforme partagée avec Ford. Et sur les extrémités, on retrouvera les anti-brouillards et j'ai l'impression ici, oui, on a bien ça, les petits rideaux d'air qui viennent rentrer ici pour jouer un petit peu sur l'aérodynamique. Sur le côté voiture de 5,35 m, effectivement, ça demande une bonne balade pour traverser toute la voiture. Donc, comme on peut le voir, en double cabine, et comme je disais, il pourrait exister sans cette partie-là, avec une benne beaucoup plus grande.
et plus pratique, il fera plus de 2 mètres de long contre les 1,60 m qu'on retrouve sur celle-ci. De ce côté, l'essence, comme je vous disais, avec l'AdBlue, 80 litres d'essence, des poignées type frigo, vraiment au style américain, avec le petit bouton pour le keyless. On a le marchepied ici, là j'ai malheureusement pas les barres de toit pour m'accrocher, mais ça reste quand même un vrai plus pour monter à l'intérieur de ce 4x4. Le rétro est énorme, la glace ici, enfin vraiment elle fait la taille de ma tête, et je pourrais me maquiller. Si madame veut se maquiller ici, ce sera vraiment pratique. Sur le côté, on retrouve quand même une petite finition chromée sur le bas, des parties mates sur le haut et ensuite tout est peint. Couleur carrosserie, on retrouve les arches de roue ici en plastique et les petites bavettes sur l'arrière pour pas projeter trop de saleté. Mais on peut le voir que dans la poussière, j'ai déjà tout sali sur cette voiture aujourd'hui. On a le petit Amarok Aventura rappelé ici pour cette finition. Et lorsqu'il sera en style, par exemple, on n'aura pas cette version ici peinte avec cet arceau de cette façon. On aura la version façon métallique et vraiment à l'américaine comme à l'ancienne. Le 4Motion qui est rappelé de ce côté-là pour nous rappeler que c'est une version 4 roues motrices. Mais bon, je pense qu'on n'en doutait pas que là-dessus, on aurait du 4 roues motrices. Au niveau des jantes, on pourra aller du 18 au 21 pouces. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est du 21 pouces. Le 21 pouces, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais dans cette livrée, elle arrive en 21 pouces. Moi, je conseillerais pour les gens qui veulent faire un petit peu plus de off-road, de se prendre du 18 avec des flancs beaucoup plus hauts, ce qui permettra d'avoir un petit peu plus de confort, parce que lorsqu'on roule tout seul, c'est une voiture qui est faite pour être chargée et pour être avec du monde et en utilitaire avec jusqu'à 1000 kg à l'arrière, eh bien, les suspensions arrière, ce sont des suspensions à lame, donc ça rebondira un petit peu. Donc forcément, ce ne sera pas le plus confortable lorsqu'on sera tout seul. Donc si on peut jouer un petit peu sur les pneus, ça sera un avantage. Ensuite, on est en frein à disque à l'avant, tout comme à l'arrière, et suspension normale à l'avant. Pas de DCC, malheureusement, ça aurait pu être un vrai plus. Hein. Après, ça en ferait plutôt une voiture vraiment haut de gamme. Ce qui n'est pas forcément le but recherché ici, mais on a quand même voulu monter un petit peu pour s'en faire une voiture un peu plus confortable. Sur l'arrière, rappel du Amarok directement dans la carrosserie, donc c'est embossé à l'intérieur. Le 4Motion ici, la motorisation V6, un petit feu de rappel, le troisième feu stop. Ici, de quoi ouvrir cette partie. Ensuite, un petit peu de chrome et du plastique qui intègre les radars de parking, les réflecteurs ici. Ça, c'est pour pouvoir monter dessus et on pourra tirer, lorsqu'on met le crochet de là, jusqu'à 3500 kg, comme je vous disais. Donc, lorsque j'ouvre ici, ça m'ouvre cette partie. On a les câbles à cet endroit-là pour maintenir ici. Alors, certaines voitures peuvent supporter vraiment pas mal de poids. On peut mettre des crochets sur les côtés qui supportent jusqu'à 400 kg pour certains. Et ensuite, pour ouvrir cette partie, j'appuie ici et donc là, le couvre-tonneau s'ouvre. C'est vrai que c'est pratique que ce soit de cette façon. Cette partie ici, donc moi, je fais 75 kg. Comme vous pouvez voir, je peux monter dessus sans problème. Et pour rentrer à l'intérieur, le plus facile, c'est de s'asseoir ici et ensuite pouvoir accéder. Là-haut, la petite antenne, donc 20 cm de plus comparé à la hauteur de la caisse. Alors, elle est mi-requin, mi-antenne. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas fait juste une petite antenne requin ou de l'avoir cachée un peu plus bas. Ensuite, on accède à la partie de la vitre arrière ici qui nous amène à la cabine directement et les sièges sont posés à ras. Et donc, l'espace à l'intérieur, comme je vous disais, c'est 1,23 m de large sur 1,62 m de long. On a des petites attaches à l'intérieur, deux de ce côté-là, deux de ce côté-là également. Pour mettre une moto, ce sera peut-être compliqué parce que ce n'est pas forcément la version longue, mais peut-être des petites un petit peu en biais. Ça pourrait peut-être passer à vérifier la valeur qu'on peut poser sur cet endroit. Et pour refermer, très simple. Et cette partie est quand même franchement plutôt légère. Et si je veux refermer, ensuite, je rappuie sur le petit bouton là. Et d'ailleurs, on a une prise 12 volts allume-cigare également ici. Juste en dessous ici, on trouvera une roue de secours. Sur le côté, on a l'échappement. Et un petit peu plus loin, on peut voir le différentiel à l'arrière. Alors, au niveau des places arrière, j'ouvre cette grande porte. Elle a un angle d'ouverture plutôt correct. Je mets mon marchepied, je viens ici ensuite m'installer, je monte vraiment dans cette voiture. Au niveau de la portière, plastique dur vraiment partout. Et juste au niveau de la couloir, une sorte de cuir avec l'ouverture de la fenêtre. La poignée est intégrée directement là. Et d'ailleurs, la sécurité enfant, heureusement que je n'ai pas fermé là-bas. Donc moi, je suis 1,80 m. Au niveau de la tête, j'ai vraiment de l'espace. Au niveau des genoux, le siège est réglé pour moi. Il me reste encore une dizaine de centimètres d'espace devant moi. On a des poches à l'arrière. On a des petites poches là-haut. Alors, pas très profondes. Mais ça, c'était typique de chez Volkswagen.
L'assise maintient un petit peu, c'est un poil relevé, pas tant que ça, mais on peut quand même avoir un bon gabarit à l'arrière. Mais surtout, cette place ici est condamnée, donc comme je vous disais, par rapport aux histoires de malus pour ne pas payer et quand même pouvoir en vendre quelques-uns en France. Donc là, ici, ah non, même la couloir, ah, même plus le droit de la couloir, d'accord. Bon, bah, c'est écrit en gros, de toute façon, ne pas utiliser ce siège, puisque bah, pas de ceinture, et ils ont fait en sorte d'enlever la boucle de ceinture. Donc, il ne nous reste que deux ceintures. Ça reste une voiture 4 places. Alors, je trouve ça un petit peu dommage au niveau du gouvernement. C'est pas forcément malin. Certes, vous pensez être malin en faisant ça, mais au final, on pourrait transporter une personne de plus plutôt que de prendre une voiture supplémentaire. L'écologie, ça marche pas toujours, quoi. Bonne chose, on a une prise ici 230 volts. Et ici, une prise 12 volts. Donc ça veut dire qu'on peut brancher une perceuse ou autre. Ça peut être pratique. Ah non, pas de perceuse, 150 watts seulement. Donc un petit ordinateur portable, une tablette ou ce genre de choses. Une climatisation à l'arrière, on peut juste régler les bus d'aération sur nous, mais on ne peut pas régler le débit d'air ni la température. Et voilà. Fixation. Top taser Isofix ici. Juste Isofix, top taser, non, puisqu'on ne peut pas accrocher derrière au final. Donc seulement deux fixations Isofix sur les places arrière. Gros tunnel de transmission ici, mais pas gênant comme c'est une 4 places pour nous. Effectivement, pour les personnes qui seront en 5 places, un petit peu plus gênant. Et on a des poches de rangement également dans le siège à cet endroit-là. Allez, allons voir l'avant. Ce paysage est vraiment, vraiment canon. Hein. Voilà où je vous fais la présentation aujourd'hui. Et tout autour de moi, c'est que des montagnes, de la nature. Vraiment très cool. Donc, allez, c'est parti, je vous emmène découvrir l'intérieur. Donc, poignée type frigo ici, le rétroviseur gigantesque. Ici, on a verrouillage, déverrouillage de la voiture. Chut, chut, chut. Ouverture. Une sorte de partie imitation cuir avec des surpiqûres où c'est moussé, agréable pour le conducteur. Ensuite, plastique dur sur toute la portière. On s'en a l'habitude sur les véhicules un peu utilitaires, mais quand même un petit peu de moussé, ça fait pas de mal. Et surtout avec cette finition, c'est agréable, tout comme ici. Ensuite, verrouillage, des rétro, enfin pas verrouillage, rabattage. On peut bloquer les fenêtres ici, réglage des rétroviseurs, réglage des fenêtres et la poignée pour ouvrir. Donc c'est de cette façon. En fait, on n'a pas de poignée ici, comme souvent on pourrait l'imaginer. Elle est là, à l'intérieur, et comme ça. Je trouve ça original. Ici, de quoi mettre une bouteille, une grande bouteille 1,5 litre. Haut-parleur à cet endroit-là, de quoi ouvrir le capot avant, petite signature Aventura, et double pédale ici, pédale de frein, accélérateur. Ensuite, la partie pour les feux, qu'on reconnaît hein, de chez d'autres marques, le volant, que je vous montre ensuite, les sièges réglage électrique, et voilà à quoi ressemblent ces sièges à l'intérieur. Je vais me tourner pour pas que vous ayez tous les reflets. Alors, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur. Le volant de chez Volkswagen, qu'on connaît bien. Logo au centre, klaxon pour les biches. De ce côté-là, toutes les aides à conduite, le travel assist, le centrage de voie, le limiteur, le régulateur, si je souhaite, le volume pour le son de ce côté-là. Et de ce côté-là, changer de musique et changer les menus, comme on connaît ici. Parce que, hop, on a quand même cet écran ici avec l'ordinateur de bord et pouvoir naviguer plus une commande vocale. Derrière, on a les essuie-glaces de ce côté-là et de ce côté-là, les appels de phare et le clignotant. Je vous ai montré ça. Aérateur sur le côté, des aérateurs de chaque côté de l'écran. L'écran qui est en vertical, comme vous pouvez le voir ici, et sur la droite. Ici, on a un petit vide-poche également avec un haut-parleur. Cette partie ici est un petit peu moussée, une sorte de cuir sur le dessus. Très simple, pas d'affichage tête haute et on a le pare-brise dégivrant comme on connaît chez Ford puisqu'ils partagent la plateforme avec une Ford. Petite poignée ici pour se tenir au cas où. Alors, je ne sais pas si vous tenez souvent là quand vous faites du 4x4, peut-être pour vous aider à monter lorsque vous avez le pied sur le marchepied. Là-haut, un rétroviseur avec les gros bords, un rétroviseur très simple. Sur le haut, ici, touche SOS et les lumières donc qui s'allument en LED blanche. Et la petite boîte à lunettes que j'ai toujours aimé. Fermé. Là, partie un miroir, deux petites ampoules, le micro pour le Bluetooth, une poignée ici et chacun a sa poignée sur le haut. Un éclairage au centre, cet écran, donc écran 12,3 pouces comme on connaît chez Volkswagen avec la même chose à l'intérieur et cet écran ici d'un petit peu plus 10 pouces. On peut revenir
au menu principal ici. Non, je veux pas tout ça. Et on a quelque chose de très simple. Donc, hop, non, voilà, quelque chose de très simple, façon verticale. Raccourci climatisation sur le bas ici. Donc, à chaque fois, ça ferme le menu dans lequel on est. Si on est en navigation, c'est un petit peu dérangeant. Mais bon, ensuite, on a des raccourcis ici pour la température. Et je peux retourner de cette façon. Si par exemple, hop, j'étais en navigation, je veux juste passer à ça, bah, ça me grise quand même le reste. Et ensuite, je peux régler ma température et refermer ici. Les sièges chauffants sur la partie basse et ensuite les applications Android Auto, Apple CarPlay, le média, les réglages de la voiture. Et là, on a toutes les infos du véhicule avec les réglages qui apparaissent petit à petit. Bon, on voit qu'on a pas mal de choses. Un petit peu plus bas, la touche Warning, le volume. Ici, de quoi l'allumer et l'éteindre rapidement. Les menus parking, donc le parc assist, naviguer jusqu'au parking également, le parc assist qui a été amélioré, les capteurs d'aide au stationnement, le menu climatisation pour avoir accès directement là et où est-ce que je veux me faire ventiler, etc. Et en gros, c'est comme lorsqu'on clique ici, mais on a tout en physique également. Ça, c'est toutes les aides à la conduite et ce que je veux, les assistances conducteurs et les modes de conduite. Les modes de conduite, vous allez voir, on a le normal, le éco, le remorque charge lourde, le faible adhérence, le boue et ornière et neige ou sable profond. Donc ça, on pourra jouer avec et ensuite on peut personnaliser également les réglages à cet endroit-là avec ce raccourci. Un petit peu plus bas, on retrouve une prise 12 volts cachée derrière là-bas, là juste derrière avec un port USB-C, un port USB type A, le rechargement par induction, le sélecteur de vitesse ici, donc regardez, sur le côté, il y a des touches M et moins et plus. Ça, c'est pour passer en manuel. Alors, il va falloir le faire là, puisque malheureusement, on n'a pas de palette derrière le volant. Ce n'est pas hyper pratique pour rien vous cacher, mais l'idée, c'est de le laisser en mode drive de base. Pour passer en reculé, j'appuie derrière ici la gâchette, je passe en reculé. Caméra, oh là là, regardez ce paysage, c'est juste magnifique. Et caméra 360 degrés. Neutre, drive et au niveau de cette boîte de vitesse, petite particularité, si je passe en manuel, vous allez voir, ah non, ça ne le fait pas, il faut rouler. On a une boîte de vitesse 10 rapports. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal, normalement, pour les consos, pour rouler plus vite, ça peut être intéressant. Ensuite, ici, on passe, puisqu'on est sur une vraie voiture tout-terrain avec le 2H. Donc, 2H, c'est 2 gammes longues ou hautes. 4A, c'est 4 roues motrices automatiques. 2, c'est pour propulsion en gamme longue. Ensuite, 4A, c'est 4 roues automatiques. 4H, c'est 4 roues en mode longue. Ou 4L, c'est en mode gamme courte pour vraiment faire du gros, gros franchissement. Ensuite, on a le blocage du différentiel arrière ici. L'aide aux descentes de côte est désactivée. L'ESP et ici, le frein de parking. Là, des petits bonbons. Je vais en prendre un dès que j'ai fini ça. Un petit talkie pour se parler au cas où on se perde ici dans les montagnes. Et un accoudoir. Alors, petit problème pour moi, l'accoudoir, regardez, c'est, il est extrêmement loin du volant. Et quand je suis là, en fait il me sert à rien, ou si je suis là il me sert à rien, ici je suis en bas il me sert à rien, en fait il faut vraiment que je sois là et du bout des doigts, pourtant je fais 1m80 et j'ai quand même, vous pouvez voir, un bel avant-bras très musclé, là du rangement on pourra même pas mettre des petites bouteilles comme ça. Regardez, ce qui est bien, c'est que j'en ai une là. Si ça passe, non ça passe pas malheureusement, à quelques centimètres près on y était. Hop, et cette partie est un petit peu moussée également. La simplicité. Ici, rangement spécifique sur le haut, plus rangement boîte à gants à cet endroit-là. Là, pour dire que l'airbag a été désactivé pour le passager. Et normalement, je pense que je vous ai tout montré sur l'extérieur et l'intérieur de cette voiture. Maintenant, on va aller essayer, je ne sais pas montrer, Sono Harman Kardon. Oui, parce qu'ils veulent rendre cette voiture un petit peu plus premium et la rendre plus agréable à vivre au quotidien. Bon allez, c'est parti, on va faire ronronner le V6. Bon alors, c'est parti pour moi à bord de ce Amarok sur ces magnifiques routes de Corse. J'adore là, ces routes de montagne, tout ça là, rien quand on arrive. Waouh, j'adore cet endroit. Donc, boîte 10 vitesses avec ce V6 3 litres TDI. Hop, c'est parti. On commence donc en deux roues motrices, gamme longue, propulsion. On a la boîte qui s'adapte à toutes les conditions, le 2H, le 4A, le 4H et le 4 boîte courte. L'idéal pour la route comme ça, c'est mode propulsion pour consommer le moins possible et ne pas avoir à transférer justement tout ce couple et cette force aux 4 roues. Et c'est ça qui est l'idéal dans l'utilisation quotidienne tant qu'on est sur route.
ça, hop, non, il s'avance plus lui. Ok. Bon, alors, je sais quoi qui fait ce bruit, mais en fait, c'est un avion qui passe juste au-dessus de ma tête, parce que l'aéroport est juste là. Là, je suis à 70. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on a toutes les aides à la conduite. 7, je me règle ici, 70. Parfait, j'ai le centrage de voie, toutes les aides à la conduite, conduite de niveau 2, 20 aides à la conduite qui sont arrivées sur cette voiture. L'aide au freinage d'urgence, les marches arrière s'il y a quelqu'un qui traverse, enfin, tout ce qui se fait de nos jours. C'est vrai que ça devient un gros plus. Et au final, pour les professionnels qui utilisent ce genre de voiture, bah, ça peut être un avantage également. Puisqu'avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose sur les véhicules qui étaient plus typés utilitaires. Là, on est sur des routes de Corse, donc c'est des routes où des fois c'est un petit peu dégradé. On va faire du tout-terrain également. Pour le moment, on sent une suspension un petit peu ferme, hein, puisque c'est une voiture qui est faite pour accepter jusqu'à une tonne dans la benne, quasiment 951 kg, plus 4 passagers. Donc là, effectivement, quand on est tout seul, c'est un côté un peu ferme. En tout cas, 70 km/h, on a des pneus routes, donc c'est plutôt agréable. Les petits ting, c'est parce qu'il y a des virages un petit peu serrés, donc c'est pour vous dire de reprendre la main. Mais quand on est sur l'autoroute, on le met et pour les gens qui ont du trajet à faire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ou sur de la nationale, quand c'est tout droit, bah ça reste quand même un vrai plus. On a le GPS, cet écran est magnifique. On a une direction qui est plutôt douce. Bah, je suis bien. Les sièges sont un peu fermes quand même, mais on a un maintien correct, même en latéral. Bah, ça reste agréable. L'avantage, c'est qu'on a un beau moteur, on a un V6 sur cette version. Ça permet d'avoir du couple. Également, c'est un gros moteur, donc c'est plus silencieux dans les tours. Et en plus, on a la nouvelle boîte 10 vitesses qui fait que bien, on reste toujours assez bas dans les tours. Alors, c'est un gros bébé, mais je trouve qu'on s'y fait vite. Les rétros sont énormes, donc on a une bonne visibilité sur le gabarit de la voiture. Les rétroviseurs, on dirait les miroirs de ma salle de bain. Ils sont gigantesques. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils prennent vraiment tout le rétro. En tout cas, c'est confortable. On est à 70, mais on ne le sent pas du tout. C'est bien insonorisé. On sent qu'il y a eu un effort de fait quand même sur cette voiture. On a un sono Harman Kardon avec, je ne veux plus dire de bêtises, mais beaucoup de watts. Franchement, elle est hyper agréable. On peut également passer en manuel si on souhaite. Donc j'appuie sur le petit bouton M ici. Là par exemple, je suis en 8e rapport déjà. Ah, elle ne veut pas passer plus que 8. Parce que je suis à 1400 tours à peu près. Mais ensuite, je peux tomber les rapports. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup là. Et bien, bon, on va repasser en drive. Ce sera beaucoup mieux. Pas très utile de passer en manuel dans ces conditions. Peut-être en tout terrain. Hop. Non, ça marche bien, c'est souple. Les passages de rapport sont vraiment très fluides. Pour le quotidien comme ça, top. Alors l'avantage également d'avoir un V6 3 litres diesel, c'est lorsqu'on va être en descente, on va pouvoir jouer un petit peu avec cette boîte en manuel et on va pouvoir lui dire, bah voilà, je veux que tu restes par exemple entre la 1 et la 7 ou la 1 et la 5 ou la 3 et ensuite ça va pouvoir jouer par exemple, on va pouvoir être en drive et lui dire, voilà, je veux pas que tu sois plus qu'en 5, par exemple lorsque je suis en descente comme ça pour pouvoir avoir un petit peu de frein moteur. Alors ça va faire peut-être un petit peu de bruit, mais ça permet de ne pas avoir à utiliser les freins tout le temps. Et le fait d'avoir une assez grosse cylindrée, eh bien ça permet d'avoir du freinage moteur. Parce que souvent maintenant, le downsizing, ça amène des tout petits moteurs, donc il n'y a quasiment pas de résistance. Donc là, par exemple, je suis un petit peu en phase de descente. Alors ça fait un petit peu de bruit. Et pour les gens qui habitent à la montagne, on a l'habitude de ne pas forcément utiliser que les freins et d'utiliser le frein moteur. Ça peut être intéressant. Par contre, après, lorsque je réaccélère, ça va rester sur le rapport, donc il faudra penser à repasser les rapports. Et comme c'est des rapports très très courts, à la limite, il faudra repasser en fait en mode D directement. Et la voiture va jouer d'elle-même. Parce que sinon, elle ne va pas forcément penser à faire du freinage moteur. C'est tellement beau la Corse, la mer elle est bleue. Oh là là, il pleuvait ce matin à Paris, il faisait pas beau. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir les stories que je poste tous les jours quand je vais faire des essais, les avions, etc.
Il faisait pas beau, il faisait froid, il n'y a rien qui allait, des bouchons, et là... J'avoue que j'aimerais bien un jour venir habiter en Corse, c'est quand même magnifique comme endroit. Bon, eh bien, nous voici arrivés cette fois-ci sur du chemin. Donc là, pour le moment, je peux rester en deux roues motrices, ça fait très bien le job. La 4 roues motrices va être lui important lorsque c'est un petit peu plus boueux, un peu gadoueux, ou vraiment très technique, ou qu'il y ait beaucoup plus de petits cailloux. Mais on peut voir que la plupart du temps en deux roues motrices, même pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le quad, ça peut être largement suffisant. On n'a pas forcément besoin d'un 4 roues motrices très, très souvent. Ils nous ont mis des petits points ici. Donc petit 1, passer en 4L. Ah ouais? Donc pour passer en 4L, il faut que je me mette au neutre. Et là, je vais petit à petit passer en 4L. Donc là, je suis en 4A. Là, je passe en 4H. Changement en 4-4. Et ensuite, 4L. Donc là, ça veut dire qu'on passe sur la gamme courte. ESC désactivé dans le 4L. Et donc là, je repasse cette fois-ci en drive. Donc c'est peut-être parce que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est une boîte différente, les 4L. On va pouvoir aller beaucoup moins vite. Et là, par exemple, à 2000 tours, bah, je suis déjà beaucoup plus haut dans les tours par rapport à l'avancée et la rotation des roues. Ça passe quand même les rapports. Alors, je ne sais pas pourquoi 4L ici, c'était important, parce que là, ça a l'air quand même vraiment très facile. Surtout qu'en 4L, en fait, on va juste surtout monter beaucoup plus haut dans les tours. Alors, on croise quelques locaux. Oups. On va s'arrêter là. On va les laisser passer gentiment. Hop, bon, ils nous laissent passer. Merci, messieurs. Et on va voir ce que ça donne. Donc, en 4L, bon, pour moi, je trouve que ça roule quand même encore vraiment bien là. Hein. On n'aurait pas forcément eu besoin de passer en 4L. Et surtout le 4L, bah, ça va me faire consommer un petit peu plus que ça reste plus haut dans les tours. Par contre, ça facilite énormément la transmission de couple pour cette voiture. Également le 4L, ce qu'il faut penser, donc la gamme courte, ça va faciliter également l'aide en descente. Puisqu'on va être plus haut dans les tours, la boîte ce sera pas la même chose et on va pouvoir jouer également plus du frein moteur. Là, on a énormément de chance, on passe sur un terrain qui normalement n'est pas du tout ouvert au public, c'est réservé aux pompiers en cas de feu de forêt et autres. On va passer dans les plus beaux endroits de Corse. Merci à ces personnes en Corse hein, qui nous autorisent à faire ça, puisque c'est vraiment exceptionnel et ça permet en même temps de tester vraiment les capacités de franchissement. Donc on va le faire là et ensuite on a une petite zone dédiée où ça va être un petit peu plus technique, mais là c'est vraiment du passage à la cool. Ça monte un petit peu partout là, il faut pas tomber à gauche parce que ça a l'air assez raide. Alors là je suis tout seul dans la voiture, cette voiture est faite pour transporter du poids et tirer également hein. On a une suspension peut-être un petit peu ferme et on va le sentir puisque normalement on peut être 5 personnes dedans plus la benne chargée. Donc les ressorts à lame à l'arrière justement pourraient jouer un petit peu plus avec tout ça. Là, bah, ça permet un petit peu moins de sentir le confort de suspension puisqu'on n'est pas du tout chargé. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va bien. Le but ici, c'est pas forcément de rouler vite. On n'est pas pressé. Le but, c'est de faire les choses bien et profiter surtout voir les capacités de franchissement de la voiture. Ça va être ça le plus important. Il n'y avait qu'un seul chemin, effectivement, il n'y a pas forcément de quoi se tromper. On pourrait aller un petit peu plus vite. Après, on n'est pas du tout en pneus tout terrain, on est vraiment en pneus mixtes qui sont plus faits d'ailleurs pour la route. Mais normalement, un pneu, ça reste quand même solide. Il y a les flancs qui peuvent vraiment différer comparé à des vrais pneus off-road. Mais à part ça, normalement, un pneu, ça passe partout. Des fois, on a peur pour nos pneus, mais ça reste quand même vraiment du costaud. Allez, je m'apprête à faire cette énorme montée. On va voir, alors le rayon de braquage, c'est bon, ça passe tout juste. Et on va voir ce que ça donne. La montée est gigantesque quand on voit les autres le faire, c'est impressionnant. Les caméras se coupent à plus de 10 km/h. Bon, on va se le faire à la cool. Ils nous ont mis un petit panneau s'arrêter en plus dans la montée. On va voir que le ciel, ça va être assez marrant. Ce que j'aurais peut-être bien aimé, ce serait un raccourci en fait pour accéder aux caméras 360, ça aurait pu être un plus. On est toujours avec la boîte courte, donc là on peut y aller un petit peu plus ici.
parce que bon là c'est plus du chemin. Ça sautille un petit peu, mais bon. À partir du moment où on est lancé aussi, c'est là aussi le tout terrain, c'est il faut toujours garder un rythme, que les roues continuent à motricer. Mais là clairement en 4 ça passe tout seul. Et en plus comme je suis en gamme courte, hop, là j'ai vraiment le soleil dans les yeux, c'est que ça y va tout seul et on a énormément de couple. Donc à la moindre sollicitation, ça va monter tout seul. Et c'est franchement incroyable. Et même si j'accélère fort, ouais, ça tracte et c'est impressionnant. Donc là on est plutôt dans du sable et autres. Là ils disent de se stopper. Je pensais que ça allait peut-être limite un peu plus raide. Mais ça repart comme si on était à plat. Franchement, c'est assez bluffant. J'aime vraiment bien. J'avais déjà fait des vidéos un petit peu tout terrain. Pour ceux qui ont regardé à La Ferté Gaucher, à Univers tout terrain, j'avais pris déjà un Dodge Ram TRX. J'avais pris un Wrangler. Qu'est-ce que j'avais fait là-bas? Un Dacia Duster aussi qui passait vraiment partout. C'était assez impressionnant. Et même là, enfin franchement, ça y va tout seul. Oh, le décor sur la droite, c'est magnifique. Oh, j'ai hâte de m'arrêter là-haut pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est juste bluffant. Et ça y va vraiment bien. Un vrai joujou. Et ça montait. Par contre, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Oulala, on voit plus rien. Ouh, ça a l'air joli. Hop. Et là, il faut descendre. Ah ouais, on voit pas du tout la descente. Oula, je vais mettre sur le côté. Bon, chez Volkswagen, et comme sur quasiment tous les vrais 4x4, on a l'aide au contrôle de descente. Là, il est prêt, et donc il me reste juste à accélérer normalement. Et je laisse la voiture faire. Je peux régler ma vitesse grâce ici au régulateur, plus vite, moins vite. Mais le but de l'aide à la descente, c'est surtout de ne pas bloquer les freins et de garder toujours le même rythme qu'on sent, que ce soit dans la boue ou autre. Son but, c'est d'équilibrer la voiture, ne pas aller trop vite et laisser tranquillement la voiture faire. Et surtout, le fait que je ne bloque pas les roues, ça me laisse mon pouvoir de direction, puisque si je bloque les roues, ça va glisser, sauf si on veut bien sûr s'arrêter. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique. Et si je le désactive, aide à contrôle, hop. Ensuite, ça va jouer également si je suis en gamme courte avec le frein moteur, puisque ça va faire la différence. Donc on peut jouer entre gamme courte plus également l'aide au contrôle de descente. Là par exemple, j'ai lâché l'aide au contrôle de descente, même si je suis en gamme courte, la voiture va se mettre à accélérer. Le fait qu'on appuie sur ce bouton, c'est tout géré électroniquement avec les capteurs ABS et autres. Et là, ça va faire en sorte qu'aucune roue ne patine, ou s'il y en a une qui patine, ça va vite ralentir les autres pour faire en sorte que bah, celle-ci s'arrête de patiner. Je me suis remis en 4H, donc 4 longues. Et regardez, enfin là, c'est déjà très très raide. Clairement, même comme ça, ça monte très bien. C'est ça l'avantage du diesel, le fait d'avoir ce 6 cylindres V6. On me dit aussi souvent dans les 4x4 qu'il ne faut pas mettre les pouces dans les volants. Donc je vais essayer de faire ça bien. Parce qu'à ce qui paraît, ça peut casser les pouces. Mais bref, là vous voyez, là je monte à 20 km/h tranquillement. Ça y va tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin forcément de se mettre même en L. Je pense que le L, c'est bien quand on est vraiment enlisé dans le sable ou dans la boue. Parce que c'est là où justement le moteur va vraiment forcer et où il va falloir énormément de couple. Mais sinon, tant que ça roule comme ça, pas forcément utile quoi. Je vois que la voiture ne force pas du tout. Et ça y va bien et ça monte tout seul. Hein. Franchement, c'est assez incroyable. Et, enfin, direction assistée, climatisation. Enfin, je suis quand même vraiment bien là. C'est d'une facilité avec ces voitures. J'aimerais bien essayer des trucs, vous savez que les Américains font là où ils montent des marches mais énormes avec leur 4x4 avec les suspensions là de 1 mètre où ça bouge dans tous les sens. Je pense que ça doit être incroyable ça. Je sais pas s'il y a des gens qui en font en France, mais j'aimerais bien aller voir ça un jour, voir ce que ça donne. Je pense que ça doit être incroyable à faire. Et je me posais la question comme ça. Est-ce que ce genre de voiture, ça peut être dynamique sur des petites routes? Qu'est-ce que ça donne? On va respecter les vitesses, mais hop, ça tourne bien. On sent que c'est quand même assez lourd, mais ça ne s'appuie pas tant que ça. Alors, ouais, c'est un petit peu flou dans la direction, ce qui est normal, hein. C'est pas une voiture de sport.
mais ça tourne bien, ça y va, on entend un petit peu les pneus en souffrance. Au niveau du freinage, on sent que c'est pas fait pour faire des gros freinages de trappeur. Mais même de façon dynamique, imaginons que je sois un petit peu pressé pour aller à la chasse ou j'ai un chantier qui est un petit peu en retard, là, sur des petites routes comme ça, on peut quand même se faire plaisir. C'est 80 ici, hein, on va rester à 80. Mais c'est ça qui est cool sur ce genre de route, c'est qu'en roulant à 80, on peut déjà largement se faire plaisir. On sent que c'est lourd, on sent que lorsque je tourne comme ça, il y a vite les aides à la conduite qui viennent m'aider, qui se disent « Oula, attention, il ne faut pas aller dans le mur. » Et non, c'est vraiment plaisant. Ça y va bien. Hop. Allez. C'est une propulsion, tout désactivé, ça pourrait être marrant sous la neige de glisser avec ce genre de voiture. Mais on a de bonnes relances, c'est correct. Alors, ça se veut pas sportif, comme on dit, on a un 0 à 100 en 8 secondes 8, ce qui est largement suffisant pour tous les jours. Là, sur ce goudron bien propre, c'est agréable, c'est bien sonorisé au final. Même au niveau des bruits de roulement sur ce beau goudron. Oh, ce goudron avec une super car. Plus ce genre de virage. Oh, là, ce serait vraiment kiffant. Oh, franchement, ça relance bien. Là, je suis repassé en deux roues motrices propulsion. C'est agréable. Et la boîte C, si vous appuyez vraiment, elle reste un petit peu haut dans les tours au cas où vous auriez besoin de relancer un petit peu. Non, c'est agréable. Au niveau du freinage. Là, par contre, on sent vraiment au niveau du freinage, c'est lourd, il y a une inertie. Mais c'est agréable. Franchement, c'est grosse voiture, mais agréable. J'aime bien. Bon, allez, on va faire maintenant une zone tout-terrain qu'ils nous ont préparé spécialement pour justement le mettre un petit peu en difficulté. Parce que jusqu'à là, c'était vraiment trop facile. On va avoir un petit croisement de bond. On est censé lever un petit peu la roue arrière. On va passer tranquillement. Alors, ce qui est bien avec ce genre de voiture, c'est que ça passe vraiment, vraiment partout. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est comparer à un 4x4 plus traditionnel, là, comme on a la benne, on a un empattement plus long. Donc, pour le croisement de pont, il va falloir faire attention. On ne va pas pouvoir descendre directement sa descente. Il va falloir arriver de biais à 45 degrés pour pouvoir justement balancer cette voiture et faire en sorte qu'on va pouvoir jouer. Ah, j'arrive trop vite. Donc, on écoute la dame. Là, on peut voir les caméras 360. Voilà. Les roues droites. Les roues droites. À droite. Voilà. On va inscrire comme ça en l'air. Regarde vers moi. Ok, tout. C'est plus facile quand il y a quelqu'un qui nous guide. Un petit peu comme ça. Là, tu braques tout. Plus de braquage. Et là, normalement, ça va y aller. Est-ce que vous pouvez balancer la voiture? Et là, on a le copain. Oh, oh ouais. Donc là, normalement, là, normalement, on peut jouer avec la voiture puisqu'on est sur le point d'équilibre. Embuté le braquage. Embuté, ok. Et je descends. Voilà, tout. Allez. Tu soulèves la terre. J'adore, c'est super marrant. Voilà, comme ça, c'est beau pour tes genoux. Et c'est là qu'on voit aussi que l'angle d'attaque est très important pour pouvoir passer quasiment partout. Et on braque à fond. Et le fait d'avoir la gamme courte, ça permet de remonter hyper facilement. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé... Ah, c'est bon, les caméras s'activent. Ça glisse un peu. On bloque le différentiel à l'arrière. Comme ça, normalement, ça va permettre de pousser des deux roues en même temps. Et là, vous avez vu, en fait, ça a changé totalement tout de suite. Et ça fait vraiment la différence. Donc là, j'étais en gamme courte, mais juste en 4 roues motrices. Et le fait de bloquer les différentiels, eh bien, on a toutes les roues qui vont motricer à la fois. Et ça change vraiment les choses. C'est vraiment pratique. Et comme il disait, en fait, le différentiel, c'est si je le laisse activer, les deux roues arrière vont toujours tourner pareil. Donc si je braque, en fait, ça va pousser l'avant. Et en fait, les roues ne vont pas tourner. Donc, on désactive et on remonte tranquillement en 4 roues motrices, simplement. Et ça y va bien. Et je me fais ma petite balade. Alors je sais plus trop où c'est. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout là-bas. On peut réaccélérer. Alors cette fois-ci, je vais passer sur un terrain un petit peu différent. On va monter sur des pierres, c'est ce qu'ils appellent une table. Et on va voir ce que ça donne.
J'ai Lisa qui me guide, ou droite. Et normalement, ça a l'air trop facile. Surtout quand on a quelqu'un qui me guide sur le couple. Et ça monte tout seul. En plus, c'est super facile quand on me guide. Et en fait, le but, c'est surtout de ne pas s'arrêter de rouler et toujours garder de la motricité. Parfait quand on nous guide. C'est top. On braque à fond. Et ça, il va tout seul avec cet autobloquant. Parfait, franchement, ça. C'est trop facile, Lisa. Bon passage. Impeccable. Attends le prochain. Allez. Cette fois-ci, normalement, celui-là a l'air un petit peu plus dur, mais bon. Je pense pas que ça va être si difficile que ça, surtout en plus quand on est guidé et qu'on nous guide un petit peu et en nous disant où mettre les roues. Tout doucement, pour pas taper l'avant, un petit peu par là, tout droit. On inscrit tout doux, on suit à gauche, hop, et on garde du couple. Regardez, tout seul, les yeux fermés. Je t'écoute Lisa, hein. Moi je regarde même pas. Et vers moi. Voilà. Trop facile. Non, mais les doigts dans le nez, c'est bah, possible. C'est trop facile. C'est d'une simplicité. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, au final, ce Amarok, bah, c'est une voiture qui passe vraiment partout et qui se veut peut-être un petit peu plus haut de gamme qu'avant, avec des finitions un petit peu plus sympas, des options et surtout toutes les aides à la conduite de nos jours, ce qui la met un petit peu plus à la page. On garde toujours ce look, hein, vraiment assez gros, proéminent sur la route, très large, on est haut. Ça reste vraiment un véhicule à vocation utilitaire. On peut l'utiliser pour, on a de la place, on peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Franchement, il y a tout qui est fait en sorte pour que cette voiture s'en sorte bien dans sa catégorie. Elle partage la plateforme avec le Ford. Pas grand chose à dire, hein. On a pu le voir, elle passe vraiment partout, que ce soit facile, compliqué, que ce soit sur route ou pas. Après, si vous voulez faire vraiment du tout terrain, vous pouvez passer en pneus tout terrain, là, avec ces pneus mix comme ça. Bah, j'ai trouvé ça déjà franchement confortable. Pour les gens qui habitent à la montagne, je pense que c'est des véhicules qui peuvent vous intéresser. Effectivement, sous la neige et autres, ça peut être un vrai plus. Même moi qui fais du vélo, j'adorerais pouvoir aller faire de la descente et mettre mes vélos avec les vélos des copains à l'arrière et ensuite se dévaler des pistes. Ce serait vraiment juste le kiff. Merci à Volkswagen de nous avoir réservé cet accueil dans cet endroit magnifique et d'avoir organisé tout ça. Ça nous a permis de tester en vraies conditions ce que ça donne, puisque effectivement, quand je fais des tests tout seul, c'est plus compliqué de l'emmener sur ce genre de chemin. Et surtout en toute légalité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Je compte sur vous pour m'aider encore à faire des essais de plus en plus cool et surtout d'avoir des actus de plus en plus chaudes pour pouvoir être dans les premiers toujours à vous présenter ces nouveaux modèles en détail comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao.